Bonsoir. Alors, pour la commande, il y aura un maxi menu McFeur. Je sais pas si vous avez vu les gars, mais je sais pas si vous avez entendu plus tôt. Il a rié sa jambe, le gars en merco. Bonsoir, est-ce qu'il y a la possibilité de rajouter des sauces creamy de luxe? Ok, super. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous pouvez voir, il fait pas jour-jour. Il commence à faire nuit justement. Parce que là, je suis en fin de soirée. Et je me suis dit, je vais aller chercher un petit McDo. Et vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo où j'étais allé chercher un McDo, je crois que c'était il y a plus d'un an. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Donc voilà, on se retrouve là. Allez chercher le petit McDo. J'espère que ça filme bien. En ce moment, j'ai un peu du mal avec mon setup caméra. Je sais pas, j'ai un peu du mal à placer. Dites-moi si l'angle vous plaît, l'angle de la caméra. Mais voilà. Et aussi les gars, je compte changer un peu mes figurines dans mon décor. Donc si vous avez des idées de figurines sympas à mettre, en vrai c'est pas des figurines que je vais mettre, mais un décor stylé. Donc si vous avez des idées sur un petit décor qui pourrait être stylé, des petits éléments on va dire, des petits éléments à rajouter qui coûtent pas très cher parce que voilà, la YouTube monnaie ça paye mais pas assez. Mais voilà, des petits éléments qui seraient sympas à mettre dans le décor. Et parce que je compte changer ça un peu au niveau de septembre et tout ça, comme d'hab. Ou sinon, ce que je comptais faire, je sais pas s'il y en a qui connaîtront, mais un modèle 3D d'un décor hyper beau. Et vu que j'ai un fond vert maintenant, je pourrais le mettre en fond vert. Mais après, ça a pas le même charme qu'un vrai décor. C'est ça le truc. Ça coûte plus cher, c'est sûr, de faire un vrai décor, mais... ça a plus de charme parce que c'est réel. Donc les gars, là, moi ce soir là, je vais prendre un petit McFirst avec un petit hamburger en plus. Comme ça on va bien se caler le bide. Normalement en plus le soir où je prends là le McFirst, je live le soir peut-être sur Only Up. J'ai envie de tester, voir ce que ça vaut un peu. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous prenez vous au McDo généralement. Ça peut m'intéresser. Parce que c'est vrai que j'ai jamais trop changé de menu, j'ai toujours pris McFirst. Donc ça peut être sympa de voir ce que les autres prennent quoi. Ouais, il n'y a personne ce soir. D'habitude je passe par là, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes habituellement. Mais là c'est vrai qu'il n'y a personne. Donc faut quand même se calmer sur la vitesse un peu, même s'il n'y a personne. Ah oui, lui il est sacrément bien garé quoi. Ouais, même s'il est en warning, la vache. Si je ralentissais, c'était juste pour regarder, vous inquiétez. On va se dire, il est chelou lui. Et d'ailleurs, les gars, je tenais à vous remercier parce que j'ai vu des super commentaires sur ma dernière vidéo là, de l'unboxing du drone. Franchement merci beaucoup parce que c'est vrai que je fais des efforts au niveau du montage et au niveau du tournage. J'essaye que la vidéo soit bien minimisée au maximum, que vous ayez pas non plus 40 minutes à voir. Et au montage j'essaye de rajouter un peu d'effets, des textes, et tout ça. J'ai amélioré quoi. Et les gens l'ont remarqué dans les commentaires donc ça fait plaisir. C'est nickel, au moins vous savez. Et je vous remercie du coup pour tous ces commentaires là. Malgré que je vous remercie déjà en commentaire. Ouais, parce que vous avez pu voir que je réponds à tous les commentaires les gars. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je réponds à tous les commentaires. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y en a, je pense, dans ma communauté, vous devez en avoir marre de mon scooter. Parce que ça fait quand même 4 ans que je l'ai. C'est vrai que j'ai jamais pu changer de bolide quoi. Donc là les gars, on arrive au McDo, je pense que vous devez reconnaître, pour les anciens qui regardent mes vidéos, vous devez reconnaître un peu, je sais pas s'il y aura du monde, parce que c'est vrai qu'il y avait personne là dans la ville, je ne sais pas s'il y aura du monde au niveau du McDo, de toute façon je vais prendre un drive, c'est plus rapide. Hop, voilà, je vais faire scanner mon truc. Thank you.
Donc voilà ma commande, je sais pas si vous allez voir. Hop, juste ici, je replace la caméra en même temps. Donc 9,45€. Ça va en vrai. Là on voit c'est une grande fin. Oh, elle a répondu à l'autre et pas moi. Bonsoir, ça serait pour. Vous avez pris le scan ou pas? Oui, c'est ça. Alors, pour la commande, il y aura un maxi menu McFirst. Bœuf, s'il vous plaît. Avec du coup, grande frite et un Lipton Iced Tea, s'il vous plaît. Un Lipton Iced Tea, s'il vous plaît. Et un hamburger. Ouais. Je pourrais payer en ticket resto? Ok, super, merci. Bon, bah, on va pousser. Hein. Je sais pas si vous avez vu, les gars, mais. Je sais pas si vous avez entendu plus tôt. Mais il a rayé sa jante, le gars en merco. Non, en vrai, c'est pas drôle, mais. Oh la vache! Je sais pas si vous avez entendu le. Oh le pauvre, je pense qu'il a trop le seum. Je pense. Bah là, on va le voir. Hein. Ça se trouve, là, il est dehors en train de regarder. Non, on voit le pauvre. Oh non, trop la rage. T'as trop la rage. Non, en vrai, le pauvre, ça se fait pas. Oh, il a tout. Non. Non, enfin, ça se fait pas de rigoler, mais ça, c'était sûr. Je pose mon tel là. Bonsoir, un ticket resto et je comblerai avec des pièces. Merci, bon courage. Bonne soirée. J'étais en train de se marrer, c'est bien, il s'amuse au moins. Parce que c'est vrai que c'est pas un métier simple. Hein. C'est pour ça que je dis bon courage. Les pauvres. Les pauvres. Je sais que c'est... En vrai, je sais pas si j'irai travailler. Ben, c'est chaud, hein. McDo. Ils sont courageux, hein, les gens qui travaillent là-bas. Bonsoir, est-ce qu'il y aurait possibilité de rajouter des sauces creamy de luxe? Ok, super. Ouais, très bien. Je vous remercie. Bonne soirée. Bon courage. Nickel. Parce que les gars, je sais pas si vous avez la petite technique. Mais moi depuis... En vrai c'est pas bien. En vrai, non, il n'y a rien de mal en soi. Mais c'est juste que quand je place la commande, en fait c'est 30 centimes les sauces crémées de luxe. Et donc je les dis pas. Et j'ai remarqué, en fait, ils me le donnent toujours à chaque fois que je dis vous pouvez m'en donner un peu. Et donc ouais bah c'est bénef. Hein. Ouais, merci McDonald's. Et j'ai eu mes petits points vu que j'ai scanné mon petit code. Avant je le faisais pas, je sais pas pourquoi. J'aurais dû le faire dès le début hein, parce que c'est bénef hein, les. Il peut avoir des boissons et tout ça, mais je connaissais en plus, c'est ça le pire, mais je dis ouais c'est de l'arnaque. Faut tester les gars. Et ouais. Hop. Faut que je répare mon démarreur électrique. Parce qu'il ne marche plus. Je sais comment le réparer en plus, c'est ça le pire, mais bon. Je peux m'en battre pas les hein, coronets, mais les clés, oui. Parce que faut pas dire le mot, attention. Attention, hein. Donc voilà, les gars, je vais me taper un bon croc là. Avec mon petit McDo. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, comme d'habitude, mettez le petit like, le petit abonnement avec la cloche, et on s'unit sur ce beau sunset, très beau sunset avec la route, manque plus qu'un vrai bolide. Incroyable. Par contre, on n'en reparle pas, on n'en reparle pas assez du gars qui a rayé sa jante, j'ai de la peine pour lui. Ah, ça doit faire mal, hein, quand tu dois rire. Mais après, j'ai pas compris, parce qu'il a...
J'en étais sûr, je sais pas pourquoi, il a accéléré d'un coup. J'ai fait, ah bah là, il va frotter. Il s'en a pas loupé. Mais ouais, c'est marrant qu'il ait pas fait plus gaffe que ça. Parce qu'il a accéléré d'un coup, et là, j'étais sûr en soi. Il allait tout droit vers le trottoir, donc c'était évident. Mais voilà les gars, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker, à mettre votre petit abonnement avec la cloche pour avoir toutes les notifs, très très important. Et c'est gratuit et moi, ça me fait très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes vidéos en ce moment dans les commentaires. Et voilà, et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Et je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Et on se dit à la prochaine. Ciao. These feelings, cause I know they're always leaving. Now I'm running and seeing as they all just gain on me. Now it's right in front of me. I'm hoping that I take the